Ça y est. C'est vous maintenant les guerriers des ténèbres. Quelle ironie. Bah quoi? Il n'y a pas d'endroit plus tranquille pour parler, que je sache. Personne d'autre ne peut me voir. On te prendrait pour un fou si tu parlais tout seul dehors. Dis, ces jumeaux aux cheveux argentés, ils étaient déjà là quand nous avons combattu dans le monde primitif, pas vrai? Vous devez faire équipe depuis un certain temps maintenant. Des compagnons fidèles, hein? Tu dois les protéger coûte que coûte. C'est quand on se lance à corps perdu dans une cause qu'on risque le plus de perdre ce qui nous est précieux. Tu en as déjà fait l'expérience, n'est-ce pas? Je me demande ce que tu pourras sauver et ce qu'il te faudra sacrifier cette fois. Je n'ai même plus le cœur à me lamenter. Après toutes ces années d'errance, je me sens là. La perte de mes camarades, les idéaux que nous avons défendus, il y a bien longtemps que ça me laisse froid. C'est à ça que ressemble vraiment le ciel. La nuit. Je dois aller à sa rencontre. C'est le seul moyen. Déploiement d'urgence. Capturez l'intrus immédiatement. Un gêneur! Ça suffit. C'est un de mes hommes, pas un soldat garde Maldais. Je me demandais comment nous avions été repérés, mais ce n'est pas nous qu'ils cherchaient, en fait. Je reconnais cette armure et cette lance. Tu es Estinien, le chevalier dragon. C'est toi qui as sauvé le héros des Orzeas sur le champ de bataille, pas vrai? Voilà quelqu'un de bien informé. Rien de bien étonnant pour l'ancien général des armées impériales. Devrais-je t'appeler Gaius Baelsar ou chasseur d'ombre? Je suppose que tu tiens ces informations des héritiers de la 7e aube. Sauf que je ne leur ai rien demandé. On est venu me trouver pour m'expliquer la situation et je me suis retrouvé impliqué malgré moi. Je me demande encore comment cette crise a su pister mon énergie éthérée. Quant à la petite réceptionniste, elle a sûrement une carrière d'espionne derrière elle. Je vois qu'ils ont toujours cette mauvaise habitude d'aller quémander de l'aide au moindre problème. Et notre fameux héros, que devient-il ? En voyage, à ce qu'il paraît. Et c'est ce qui me vaut cette petite visite ici, pour détruire la dernière arme de l'Empire. Si tu veux parler de la Rose Noire, tu t'es déplacé pour rien. Mes hommes et moi venons tout juste de nous en charger. Malheureusement, cette usine n'est pas la seule.
Les impériaux sont devenus méfiants et ils ont étalé la production sur plusieurs sites. C'est de la folie. La victoire importe-t-elle au point d'utiliser une arme aussi cruelle? À quoi bon? Quel genre d'arme est cette rose noire exactement? Certains la qualifient de chimique, mais en essence, il s'agit plutôt d'une arme magique. La rose noire est capable d'arrêter la circulation de l'énergie qui parcourt le corps de tout être vivant, l'éther. Il suffit d'une simple inhalation pour que les muscles se figent. Les fonctions vitales sont peu à peu perdues, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Utilisée sur une cité, cette arme exterminerait la population en un instant, et sans endommager le reste. Alors, vous ne l'avez toujours pas trouvé? Appelez les renforts. Ah, plus le temps de discuter. Un instant, Chevalier Dragon. J'ai une proposition à te faire, par égard à un ami commun. Puisque nous poursuivons tous les deux des intérêts similaires, que dirais-tu de nous associer? Ah, c'est ça, oui. Tu crois vraiment que je vais faire équipe avec l'ancien général de la 14e Légion pour attaquer Garlemald? L'empereur lui-même a avoué que cette nation avait été créée par les Asiens. Et tu veux que je te fasse confiance? Oui. Varys a fait cette révélation pour le moins inattendue lors de sa rencontre avec les dirigeants de l'Alliance. Mais c'est justement pour ça que je veux découvrir la vérité. Et il n'y a qu'un endroit où nous pourrons la trouver. Au palais impérial de Garlemald. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Nous avons un ennui, mais tu es probablement déjà au courant. Ulmor a envoyé un aéronef. Il a franchi la frontière de Grand Lac il y a peu et stationne actuellement près du château de Grand Lac. Les Ulmoriens veulent nous questionner au sujet de la mort du Grand Purgateur. Ils nous ont fait savoir que leur envoyé arriverait sous peu. Vu comme la nuit s'est abattue sur la région en un instant, nous aurons bien du mal à nier la disparition du monstre. En effet, ils s'en seraient évidemment aperçus tôt ou tard. Mais leur réaction me prend quelque peu de court. Exarch, l'envoyé d'Ulmor est arrivé. Très bien. Fais-le patienter un instant. Approchez. Je ne veux pas leur révéler ma carte maîtresse tout de suite. Vous me pardonnerez donc l'usage de cette petite ruse. Disparition. Entrez. Sir Ranjit, je ne pensais pas que le mort nous honorerait de la présence de son grand général.
Réponds-moi, Exarch. Est-ce l'un des tiens qui a abattu le grand purgateur? Pardonnez-moi, général. Mais vous me prenez au dépourvu. Pour tout vous dire, je comprends à peine le sens de votre question. Mon maître craint que les actions de quelqu'un conscient n'aient envenimé les relations entre humains et purgateurs. Tristarium commettrait donc un acte de trahison en abritant les coupables de cette infamie. Il va sans dire que notre armée n'aurait alors d'autre choix que de marcher sur cette cité. Telle est la volonté de Don Vosri. Vous êtes allé droit au but. Alors permettez-moi d'en faire de même. Peu importe nos liens avec les responsables de cet incident, nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau admirer le ciel tel qu'il est censé être. Si ce simple fait vous déplaît, libre à vous de donner l'assaut. Mais sachez une chose, le destin est en marche, et vous ne pourrez l'arrêter, même en exécutant les habitants de Crystarium jusqu'au dernier. Tant de naïveté. Vous aurez beau exterminer les purgateurs par milliers, le calvaire ne cessera jamais. Nous vivons sur la carcasse d'un monde décrépit. Don Vosri est le seul à pouvoir adoucir cette peine, en nous offrant un peu de paix et de bonheur avant l'inéluctable fin. Mais ta réponse est on ne peut plus claire, et je la transmettrai à mon maître. De ton côté, assure-toi que chaque habitant de Crystarium sache qu'il sera bientôt trop tard pour se rendre. Une dernière chose. Un jeune peintre et son aide auraient récemment franchi vos portes. Aurais-tu des informations les concernant ? Navré, cela ne me dit rien. Voilà qui est déplorable. Vous devrez nous les remettre, si jamais vous les trouvez. Mon maître brûle d'impatience de les revoir. Vous êtes sûr que nous étions entièrement invisibles? On aurait dit qu'ils nous fixaient des yeux. Malheureusement, ce n'est peut-être pas que votre imagination. Avant que Vosri n'accède au pouvoir et impose de cohabiter avec les purgateurs, Ulmor prenait au contraire leur extermination et engageait ses troupes dans ce combat. Le général Ranjit était à la tête de ces expéditions. Il est resté un guerrier hors pair. Et son armée est toujours la plus puissante de ce monde. Ses années d'expérience lui confèrent probablement une acuité supérieure à la moyenne. Vosri ne nous aurait pas envoyé son bras droit s'il n'avait pas l'intention de mettre ses menaces à exécution. Nous sommes reconnaissants pour votre accueil, Exarch. Mais nous ne saurions rester plus longtemps si notre présence constitue un danger pour les habitants de Crystarium. Votre sollicitude vous honore, mais je préférerais que vous me laissiez en décider. En outre, le but avoué de Vosri est de conquérir tous les territoires restants. Même si nous lui livrons le guerrier des ténèbres sur un plateau d'argent, il inventera une autre raison pour prendre la cité. Ceux qui vivent ici ne sont pas dupes non plus. Qui plus est, ils ont survécu au plus grand malheur sans jamais abandonner leur fierté.
et ce n'est pas aujourd'hui que cela changera. À dire vrai, connaissant la puissance de l'armée eulmorienne et le caractère de Vosri, leur retenue me laisse dubitatif. Maintenant que j'y pense, ils voulaient peut-être gagner du temps eux aussi. D'après nos sentinelles, les soldats eulmoriens ont organisé des battues dès leur arrivée au château de Ganlag. Et ils seraient parvenus à capturer la personne qu'ils cherchaient. On sait qu'elle s'appelle Minfilia. Il s'agit sûrement de la prêtresse de la lumière qui leur avait échappé. Le général veut sûrement la rapatrier à Eulmore avant d'ouvrir les hostilités. Ça expliquerait pourquoi il a si gentiment tourné les talons. Tout le monde sait à quel point il tient à ses Minfilia. J'oubliais, c'est vrai que tu n'es pas au courant. Moraine pourra éclairer ta lanterne à ce sujet. Je te suggère de lui adresser tes questions. Alfino, Alizé, accompagnez-le, je vous prie. Vous ne serez pas de trop pour lui expliquer cette histoire compliquée. D'accord. Je ne suis pas sûre d'avoir moi-même tout compris, mais on fera de notre mieux. Pendant que vous serez occupé, j'essaierai d'en apprendre plus sur ce qui se trame du côté d'Eulmore. Je pourrai ainsi mieux répondre à cette tentative d'intimidation. Je pense sincèrement que des combattants aussi habiles que vous seraient capables de libérer Minfilia, même si vous deviez affronter l'armée eulmorienne tout entière pour y parvenir. Mais n'oubliez pas, vous êtes un atout que je préférerais garder caché. Vous nous avez offert bien plus qu'un ciel étoilé. Vous nous avez montré que Norvrant avait un avenir. Pour nous, terrasser un grand purgateur relève de l'impossible. Mais tant que la flamme de l'espoir brûlera, nous ferons toujours face à l'adversité. Et je vais vous le prouver. Excusez-moi de vous avoir dérangé, mais je souhaitais soulever un problème qui nous concerne tous. Certains d'entre vous savent sûrement déjà qu'un représentant d'Eulmore, le général Ranjit, m'a rendu visite tout à l'heure. Il m'a annoncé de but en blanc que si Crystarium décidait de soutenir le guerrier des ténèbres, la cité paierait le prix fort. Quelle qu'en soit l'issue, nous ne sortirions pas indemnes d'une guerre frontale avec Eulmore. Quand bien même, je refuse que cette vision d'un ciel limpide soit condamnée à rester un souvenir centenaire. Bien sûr, je suis conscient des risques. Devrais-je m'engager dans cette voie ? Il me serait alors impossible de faire machine arrière. Voilà pourquoi je souhaiterais bénéficier de votre conseil. Voyons, Exarch, ne nous convoquez pas alors que vous connaissez déjà notre sentiment. Nous avons tous été émus aux larmes en découvrant ce ciel. Guerrier des ténèbres ou pas, tel est le paysage que nous voulons admirer pour le restant de nos jours. Si nous nous opposons à la volonté de Vosri,
la vie deviendra encore plus dure qu'elle l'est déjà. Ulmore est la plaque tournante du négoce. Les échanges commerciaux cesseront presque entièrement, et notre étalage en pâtira. Après, ça en vaut peut-être la chandelle. Je sais pas. Allons, allons. On aura de quoi tenir un moment. La débrouille, ça nous connaît. Notre persévérance fait la fierté de Crystarium. De ce qu'on dit, c'est la seule qualité que l'Exarque a requis des premiers colons. Je me souviens de l'histoire. Vous leur auriez dit, le moment venu, j'aurai besoin de vous à mes côtés. Un jour, le malheur deviendra notre pain quotidien et les gens se résigneront à leur sort. Quand cela arrivera, les habitants de cette cité devront au contraire garder la tête haute. Nous partirons à la conquête d'un avenir radieux pour que la mémoire de ceux qui nous ont quittés ne tombe pas dans l'oubli. De toute façon, on n'a jamais pu les piffer, ces enfoirés de Lemoriens. Ils essaient toujours de nous la faire à l'envers. Ah bah bravo, toujours aussi classe à ce que je vois. Le temps est venu de montrer la force de notre résolution. Les troupes Ulmoriennes ont pris position au château de Ganlag. Et nous avons appris que la prêtresse de la lumière avait été capturée. Puisque son pouvoir lui permet de lutter contre les purgateurs, vous pouvez être certain qu'elle sera à nouveau emprisonnée. Ce même pouvoir en ferait une alliée de choix dans notre combat. Voilà pourquoi je propose que nous aidions le guerrier des ténèbres à l'arracher des griffes d'Olmore. Qu'en dites-vous, mes amis? J'approuve. Pareil pour moi. Comment chacun de vous compte-t-il apporter son aide? Et voilà, nous sommes désormais tous des rebelles. Souhaitez-vous vous joindre à nous? On peut dire que vous ne faites pas dans la dentelle, et vos concitoyens non plus. Exarque, nous avons un plan. Que diriez-vous de bloquer les voies aériennes de Grand Lac à Dodamaru? Cela permettrait de retarder l'appareillage de l'aéronef de l'Mort. De plus, nous pourrions utiliser la poudre de rêve préparée par nos artisans et la répandre sur nos ennemis. Ils ne tomberaient pas tous en léthargie, mais leur force s'en retrouverait amoindrie. Ensuite, nous profiterions de cette opportunité pour secourir la prêtresse. Très bien. Nous suivrons ce plan. Que chacun se prépare. J'espère que vous nous avez gardé un rôle excitant. Je vous rappelle que nous faisons partie de vos rebelles. À ce compte-là, joignez-vous à nos soldats. Lina vous expliquera ce qu'elle attend de vous. Pourquoi tu t'arrêtes?
Allez, avance. C'est quoi ce boucan ? Ça doit être les habitants de Crystarium. Paris qu'ils veulent nous empêcher d'appareiller, ça leur ressemblerait bien. Ces abrutis ont rien dû trouver de mieux pour nous gêner. Ça va être à nous de jouer. Nous allons prendre d'assaut le château et délivrer la prêtresse de la lumière. Tiens, tiens. Ton ami ressemble étrangement au peintre que nous cherchons. Je découvrirai la vérité bien assez tôt. Et vous aurez tout le temps de regretter vos actions quand je vous aurai enfermé dans la même cage que Minfilia. Thank you.
Hill. Elmore n'a pas attendu notre intervention pour en décider, j'en suis sûr. Qui plus est, j'agis en toute connaissance de cause. Et maintenant, que comptes-tu faire, Exarch? M'affronter en combat singulier, peut-être? Non. Mon déphaseur spatial ne peut être réutilisé. Et je ne me sens pas la force d'incanter un second sort d'immobilisation. Lancez-vous à leur poursuite si ça vous chante. Je ne suis pas en mesure de vous retenir plus longtemps. Néanmoins, sachez ceci. Là où ils sont partis, ni vous ni moi ne pourrons les suivre sans déployer les grands moyens. Le peuple féerique ne laisse pas entrer n'importe qui en Ilmeg, voyez-vous? Et moi qui croyais vous... Tout sera à refaire si une guerre éclate à cause de ces chamailleries. L'Exarque du Cristal. Comment s'est-il débrouillé pour faire venir le héros du monde primitif? Ici aussi, nous allons devoir nous coltiner cet empêcheur de tourner en rond. Comme si ça ne suffisait pas, la porteuse de cette âme l'accompagne. Qui sait? Ce revirement de situation pourrait nous offrir une alternative à l'affrontement. Autrefois, le royaume de Vebert s'étendait d'un escarpement à l'autre des inaccueillantes montagnes du Nord. Mais même cette civilisation ancestrale avait été reléguée au passé par les attaques incessantes des Purgateurs. Elle avait laissé sa place à d'autres, au peuple féerique et à son pays enchanteur. Ici, ses rêveurs batifolaient au milieu des ruines centenaires. On a assez marché. Si nous avions des poursuivants, on les a certainement déjà semés. Vous m'avez tellement manqué. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, notre dernière rencontre remonte à 5 ans. Je m'étais imaginé des retrouvailles moins mouvementées. Mais tu as bien choisi ton moment pour faire ton apparition. Qu'est-ce que tu faisais dans les parages, d'ailleurs? J'étais là-bas pour elle, pour Minfilia. Nous avons passé un moment à voyager ensemble tout en chassant les Purgateurs. Malheureusement, elle a décidé de me fausser compagnie alors que nous approchions de Grand Lac. En essayant de retrouver sa trace, j'ai appris qu'elle avait été capturée par l'armée Ulmorienne. Je réfléchissais à un moyen de la sortir de ce guépier quand j'ai remarqué de l'agitation près de Cristarium.
J'ai couru à toute allure pour demander ce qui se passait à l'Exarque. Il m'a expliqué votre plan, et j'en ai profité pour lui suggérer une échappatoire, au cas où. Comme les choses ont tourné au vinaigre, nous avons procédé comme convenu. Il a ouvert un passage vers Ilmeg quand nous avons été acculés, et je me suis joint à vous pour vous servir de guide. L'île Meg. C'est ici que Ryanger s'est installé, si ma mémoire est bonne. En revanche, je ne sais pas où exactement. C'est toujours lui qui nous retrouve à Crystarium quand nous devons discuter. Ça ne m'étonne pas. Peu d'humains peuvent se vanter d'avoir mis les pieds dans ces lieux. Mais rassurez-vous. Minfilia et moi avons déjà été accueillis ici par Uriangée. Nous en savons un peu plus que le commun des mortels sur l'endroit. Les soldats d'Ulmor ne tarderont pas à nous rattraper. L'exarque du cristal nous a confié deux tâches à remplir avant leur arrivée. Premièrement, nous devons prendre contact avec Uriangée. Et deuxièmement, nous devons abattre le grand purgateur qui se cache dans cette région. Minfilia, c'est ça? Je peux t'appeler Minfilia? Dis, pourquoi tu es parti comme ça, sans rien dire à Sancred? C'est vous que j'ai cherché. Vous êtes le héros, celui qui vient du même monde que Sancred. Depuis un moment, quand je dors, j'ai cette sensation étrange. Comme si la personne que je devais rencontrer était enfin arrivée. Sancred disait que c'était dangereux de se rapprocher trop près de Grand Lac, à cause des soldats qui venaient d'arriver. Mais je pensais qu'avec vous, on pourrait les arrêter. Et au final, ils t'ont mis le grappin dessus. Tu as de la chance qu'on ne soit pas arrivé quelques minutes plus tard. Tu réalises qu'ils t'auraient ramené dans ta cage à Ulmor? En plus, Ranjit en personne les commande. Tu... Ah. Pardon. Merci d'être venu à mon secours. Elle s'est fait gronder! Regardez-la! Elle est toute triste! D'où viennent ces voix? Faut pas faire cette tête! Venez jouer avec nous, n'ayez pas peur! Venez, on va s'amuser! Allez, allez! Minfilia, dis-moi que tu te souviens comment on va chez Uriangée. J'ai oublié. Comment c'est possible? Je connaissais le chemin par cœur. Pourquoi je n'arrive pas à m'en souvenir? On est déjà sous l'emprise de leur magie. Félasha. Kula Kuleya. Oh bah, il a gagné! En tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un
un humain qui connaît le truc pour nous trouver. Elle est pas déjà venue celle-là. Ces deux ânes me disent quelque chose. Regardez, regardez, c'est des jumeaux. La chance qu'on a. Ils sont trop mignons. Venez, on va jouer. Désolé, mais on n'a pas vraiment le temps là. On cherche Uriangé. Uriangé ? C'est l'humain rigolo ! Il voulait habiter en île Meg. On lui a dit qu'il pouvait rester vivre chez nous, mais seulement s'il trouvait la solution de notre énigme. Ça a duré 7 jours et 7 nuits. Je m'en souviens. Qu'est-ce qu'on s'était bien amusé ! 7 jours et 7 nuits ? Pas de doute, c'est bien lui. Si vous pouviez nous débarrasser de votre charme de confusion maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On est vraiment à leur merci, Sancred? Que veux-tu que je te dise? Leur territoire, leur loi. On n'y peut rien. Notre décision est prise. On veut bien rompre le charme, mais en échange, vous devrez nous aider. Une fois que vous aurez réglé tous nos petits problèmes, on vous laissera voir Uriangé. Promis, juré. On n'a pas vraiment le choix. Séparons-nous, histoire que ça ne prenne pas 107 ans. Combien de temps j'attends? Je pensais que tu m'appellerais dès que tu mettrais les pieds ici. Mais non, tu m'avais complètement oublié en fait, hein? Je croyais que t'étais mon petit arbrisseau. En fait, t'en as rien à faire de moi, c'est ça? Hein? Hein? On peut savoir pour qui elle se prend, celle-là? Notre amie a dû nouer un pacte avec cette adorable pixie. Elle me rappelle un peu toi quand nous étions petits. Oh, Alizé, qu'est-ce qui te prend? Bon. J'ai bien aimé quand tu m'as supplié tout à l'heure. On va dire que ça compense le reste. Que deviendrait un petit arbrisseau sans sa jolie branchette? Laisse-moi faire. Oh, c'est Féo Malfil! Salut, ça faisait longtemps. Vous n'en avez pas marre de faire tourner les humains en bourrique? Celui-là, c'est le mien. On a noué un pacte, alors il peut rester autant qu'il veut en île Meg sans que vous l'embêtiez. On peut pas jouer un peu avec? Même avec ses amis? Non, c'est non! Vous devez pas les embêter! C'est que j'ai hâte de voir de quoi ils sont capables, moi! Et faites attention! J'ai vu ce qu'il y avait dans ses sacoches. Si vous ne m'écoutez pas, je déverse tout sur votre joli petit village! Les bidules en fer, les trucs en bois, les machins qui pourrissent depuis on ne sait combien de temps. Laissez-moi vous dire que ça vous ferait un sacré ménage à faire. D'accord, Féo. Mais laisse-nous au moins nous amuser avec les jumeaux pendant que les autres vont voir Uriangé. Bonne idée. Si les jumeaux promettent de jouer avec nous, on lève notre envoûtement. Je doute qu'on négocie de meilleures conditions. Partez sans nous. Nous attendrons votre retour ici. Youpi!
Youpi, c'est promis alors. Et comme vous êtes gentils, on va vous laisser voir la Firnik. Alors c'est ça, l'île Meg. Ça va, Minfilia? Je crois que oui. J'ai les idées claires maintenant. Désolé pour le retard. Mais ça devrait aller maintenant que Minfilia et moi pouvons vous guider. Qu'est-ce que tu aurais fait sans ta jolie branchette? La prochaine fois que tu seras dans le pétrin, tu penseras tout de suite à moi. Uriangée? Allez, montre-toi, je sais que tu es là. Vos pieds foulent enfin les terres de ce monde privé de héros. L'exarque du cristal avait dit que vous me rendriez visite, mais vous avez fait plus vite que je ne l'aurais cru. Notre dernière rencontre remonte à bien trop loin. Mais je suis heureux de voir que le temps n'a pas eu prise sur vous. Tu vas devoir nous laisser, Minfilia. Mais pourquoi? Prends ces cartouches et insuffle-y de l'éther, comme d'habitude. Je peux compter sur toi? Avez-vous pu rencontrer les autres héritiers? Dites-moi tout. Voilà donc les circonstances qui vous ont conduit jusqu'à moi. Et vous dites que les jumeaux Le Veilleur vous accompagnent. Je vois. Je ne pensais pas que les hostilités étaient engagées à ce point. Que ce soit avec Ulmore ou avec les grands purgateurs. Dans ce cas, à mon tour de vous raconter mon histoire. Je commencerai depuis le début, par ma traversée de l'interstice entre les mondes et ce que j'y ai vu. Le 8e fléau. Après que l'exarque du cristal m'a appelé dans le premier reflet, je me suis retrouvé dans cet endroit où ni l'espace ni le temps n'ont cours. C'est là que j'ai eu cette vision. Un terrible affrontement faisait rage dans le monde primitif. Il opposait Garlemald aux forces combinées de l'Alliance Eorzéenne et de la Coalition Orientale. Dans ce futur, chaque héritier avait répondu à l'appel. Et nos forces commençaient à prendre le dessus, non sans grande difficulté. Malheureusement, sentant le vent tourner, l'Empire décida d'abandonner toute raison et de recourir à son gaz délétère, la Rose Noire. Leur arme secrète se révéla toutefois bien plus meurtrière qu'ils ne l'avaient imaginé. Sa puissance était si grande qu'elle dévasta non seulement Eorzea, mais aussi Garlemald. Le gaz n'épargna personne, ni les soldats, ni les chefs de notre alliance, ni même les pauvres innocents qui habitaient près de la frontière. L'hécatombe fit trembler le monde entier.
La rose noire eut toutefois un effet secondaire, encore plus pervers, qui se propagea depuis l'épicentre du drame. Le chaos qu'elle sema dénatura l'environnement et aliéna le reste de la population, ce qui poussa nombre de gens à prendre les armes. Cet événement propagea le conflit à toutes les autres régions, telle une étincelle embrasant un champ de feuilles mortes. La nation à blâmer pour cette tragédie était à genoux, incapable de réagir. Quant à la seule personne assez brave pour redresser ses torts, elle n'était plus, fauchée à son tour par cette arme mortifère. Voilà la forme que prenait le huitième fléau dans ma vision. Celle d'une guerre sans fin causée par la rose noire. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter cette tragédie. Je n'ai cessé d'œuvrer à cette fin depuis mon arrivée dans le premier reflet. Et j'ai fait une découverte capitale qui nous aidera à changer notre destin. Dans ma vision, l'effet de la rose noire était anormalement puissant. Mais je sais désormais pourquoi. Suivez-moi, je vais vous montrer. Savez-vous ce que cela représente ? Tout à fait. Il s'agit du diagramme des six éléments, un outil indispensable pour tout hétérologue ou spécialiste de la magie. Notre monde se compose de ces six éléments qui sont transcendés par deux énergies. L'énergie astrale, qui représente le changement, l'effervescence, et l'énergie ombrale, qui représente la stagnation, le calme. Comme le premier reflet et le monde primitif ne faisaient autrefois qu'un, on peut donc penser que les deux obéissent aux mêmes lois. Pourtant, personne ici ne parle de ces deux énergies transcendantales. En fait, elles existent ici aussi, mais sont connues sous des noms différents. C'est là que réside la clé du mystère. La puissance astrale encourage l'évolution et l'essor. Ici, les gens assimilent cette idée au mélange de multiples couleurs sur une toile de peintre donnant du noir. Voilà ce qu'ils appellent les ténèbres. À l'inverse, la puissance ombrale qui mène au calme et à la stagnation est associée à une toile vierge de couleur, au blanc, autrement dit, à la lumière. C'était peut-être les mots utilisés à l'origine. Les Asiens parlaient des ténèbres comme la source de leur puissance, et leur civilisation est bien plus ancienne que la nôtre. Si ça se trouve, ce sont même eux qui ont baptisé ces énergies. Cette idée m'a permis de mieux interpréter les événements survenus dans le monde primitif peu avant que nous le quittions. La lumière du premier reflet a commencé à se déverser dans le monde primitif.
Son pouvoir de stagnation a ralenti les cycles naturels et a entraîné un peu partout l'appauvrissement de l'éther. D'après les informations d'Alfino, la rose noire fonctionnerait selon un principe similaire, en inhibant les flux d'énergie éthérée. Imaginez les conséquences. Si le premier reflet et son surplus de lumière venaient à fusionner avec le monde primitif, surtout si la rose noire était employée sur le champ de bataille. Le résultat serait catastrophique. La puissance du gaz serait démultipliée, provoquant ainsi un nouveau fléau. On peut toujours compter sur l'intellect d'Urianger pour éclaircir les mystères les plus complexes. En conclusion, notre plan ne change pas. Sa vision ne doit pas se réaliser. Et pour ça, nous devons commencer par abattre le grand purgateur qui se cache en Ilmeg. En parlant de ça, tu as essayé de le traquer ? Mes recherches m'ont appris qu'il est emprisonné dans l'Iegia, le château qui surplombe le lac. Vous devrez requérir l'assistance du peuple féerique, car leur charme de protection scelle l'entrée. Heureusement, je pense avoir un plan pour les convaincre de vous aider. Permettez-moi de me joindre à vous. Je suis prêt à tout pour que ma terrible prémonition ne devienne jamais réalité. Et voilà, les cadeaux pour les pixies sont prêts. Ah, j'allais oublier. C'est une oralite blanche, capable de piéger l'âme d'un Ancien. Je l'ai créé moi-même après mon arrivée. J'ai pensé que nous serions tôt ou tard amenés à les combattre, puisque nous cherchons à éviter un nouveau fléau. Cet environnement gorgé d'éther s'est révélé très pratique lors de la synthèse. Je peux entrer ? Oui. Tu as fait ce que je t'avais demandé ? Oui. Comme d'habitude. Merci. C'est gentil. Très bien de ça moi-même, mais mes petits soucis d'éther m'ont poursuivi jusqu'ici. La pistolame est l'arme idéale pour la protection rapprochée. Malheureusement, ça demande de pouvoir insuffler de l'éther dans les munitions. Et comme j'en suis désormais incapable, c'est Minfilia qui m'y aide. Nous ne reviendrons pas avant un bon moment, Minfilia. Si tu veux emprunter un livre, c'est le moment ou jamais. C'est vrai ? Je peux ? Oui, mais ne te surcharge pas inutilement non plus. Sinon, Sancred va rouspéter. Avez-vous expliqué aux autres la relation qui existe entre cette jeune fille et la Minfilia que nous connaissions ? Non. Mais j'imagine qu'il vaut mieux leur en parler. C'est important pour la suite.
Comme je vous l'ai déjà dit, Minfilia était autrefois retenue prisonnière à Ulmor. Je l'ai libérée et emmenée avec moi il y a 3 ans. Après notre fuite, nous nous sommes directement rendus au sud d'Amaren, là où le déluge de lumière a été stoppé autrefois. Quand nous avons mis les pieds là-bas, la conscience de la première mine de notre Minfilia est apparue. Minfilia, dis-moi, comment faire pour te sauver ? Sans crède, je ne fais qu'emprunter le corps de jeune fille susceptible d'accueillir mon âme, comme la Abrea l'avait fait avec toi. J'entretiens la flamme de l'espoir dans le premier reflet, en montrant aux gens la puissance de la bénédiction de la lumière, ni plus ni moins. Par ma faute, celles qui portent ma parole perdent déjà leur identité. C'est un fardeau trop cruel. Je refuse d'aller jusqu'à les dépouiller de leur libre arbitre. Et ton propre fardeau, alors? Tu es parti te battre seul dans un autre monde. Je ne vais pas te laisser tomber. Je t'ai déjà sauvé une fois, et je le referai sans hésiter. Si les combats venaient à éroder la volonté de cette jeune fille, si sa seule issue devenait l'abandon, alors je prendrais sa place et j'affronterais son destin. En revanche, désirerait-elle y faire face elle-même et obtenir la force pour surmonter les épreuves? Dans ce cas, je lui lèguerai tous mes pouvoirs. Je sacrifierai jusqu'à ma capacité à transférer mon âme, afin qu'elle se rapproche le plus possible de la prêtresse de la lumière que j'étais autrefois. Tu ne peux pas faire ça. Flamine aussi attend toujours ton retour. Ta vie vaut plus que ça. Tes sentiments me touchent, mais ce choix n'est pas le nôtre. Il appartient à cet enfant, celle qu'on appelle Minfilia. Sans crède, te souviens-tu de tout ce temps que nous avons passé ensemble après l'incident avec mon père? Ce que tu as fait pour moi, j'aimerais que tu le fasses pour elle. Protège-la, enseigne-lui ce que tu sais et reste à ses côtés. Elle est encore si jeune. Comment pourrait-elle décider de son propre sort alors qu'elle comprend à peine le monde qui l'entoure? Revenez ici lorsqu'elle aura fait son choix, et je te promets que nous nous reverrons. Minfilia! Où? Sans crède? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle avait repris ses esprits et disait ne se souvenir de rien. Je lui ai déjà tout raconté sur nous, sur notre Minfilia et sur le monde primitif. Mais je ne lui ai toujours pas parlé de ce qui s'est passé ce jour-là.
Minfilia a rapporté la bénédiction de la lumière dans ce monde alors qu'il était voué à l'anéantissement. Reste à savoir qui brandira le flambeau de l'espoir et quelles concessions cette personne fera. Quoi qu'il en soit, l'heure du choix n'a jamais été aussi proche. Désolée, ça m'a pris du temps. J'aimerais juste prendre celui-là finalement, si tu veux bien. Bien sûr, prends-le. Je suis prêt à partir, moi aussi. Mettons-nous en route pour Lidalran. Quel combat! Génial! Impressionnant! C'était chouette! Oui, oui, oui! Quel peigné! N'empêche que ce combat était vraiment sympa. Ça faisait belle lurette qu'on n'avait pas rencontré quelqu'un d'aussi amusant. Vous allez donc nous remettre la couronne de coquillage comme convenu. Chose promise, chose due. Notre inestimable trésor vous attend là-bas. Emportez-le, mais prenez garde à ne pas l'abîmer. Dis donc, toi, t'es sacrément fortiche. C'était un vrai plaisir de te voir te battre. Perso, j'aimerais bien revoir l'humain à l'œuvre. Bien d'accord, plutôt deux fois qu'une même. On pourrait le garder avec nous, qu'est-ce que vous en dites? Oh oui, faisons ça! Ah oui, ah oui! Ah oui, ah oui! Ah oui, ah oui! C'est décidé à l'unanimité, alors. Vous prenez la couronne, mais tu restes avec nous. Allez, réveille-toi. Toujours en vie, c'est déjà ça. Je ne savais pas que tu avais un truc pour respirer sous l'eau. T'ont joué un sale tour. Tu t'es retrouvé au fond du lac en un instant. On dit que ces plaisantins naissent des âmes dénoyées. Sans ton aptitude, tu ferais déjà partie de la bande. Ils ont déjà ramené les autres à l'air libre. Tes amis doivent être en train de se demander où tu es passé. Thank you.
C'est ici que s'élevait la capitale du royaume de Vebert, à mon époque, en tout cas. Ses habitants étaient intraitables sur la tradition, mais aussi très chaleureux une fois qu'on avait appris à les connaître. L'hiver rigoureux des montagnes, ça a tendance à rapprocher les gens. J'ai d'ailleurs entendu plus d'un récit d'aventure autour de leur fameux ragoût d'agneau. Je me souviens aussi des torches rougeoyantes qui illuminaient la cité. Elles baignaient en permanence dans leur halo. Que ce soit ces lieux ou les âmes qui les peuplaient, tout ça appartient au passé désormais. Même leurs souvenirs s'est effacé des mémoires. C'est à se demander, qu'avons-nous accompli finalement ? Penses-tu pouvoir réussir là où nous avons échoué ? Tout ce qu'on voulait, nous, c'était offrir un avenir aux gens, parvenir à les sauver du fléau. J'ai récupéré ce que je pouvais de mon côté. Ces Numoulas ne sont pas commodes. Je suis heureuse qu'ils ne vous aient pas blessé. Désolée. C'était malvenu de la part d'une novice comme moi. Les autres Minfilia ont toujours rejoint l'armée Olmorienne pour lutter contre les Purgateurs. Mais moi, on m'a trouvée après la fin des combats. En plus, les gens d'Olmor ont décidé de m'enfermer pour éviter que je parte toute seule à la chasse. C'est pour ça que, quand Sancred m'a délivrée, je ne savais pas me battre, ou même me débrouiller toute seule, en fait. Comme j'ai obtenu la même bénédiction que vous, Sankra disait que ce serait à moi d'exterminer les grands purgateurs, si l'Exarque ne parvenait pas à vous faire venir ici. C'est la seule raison pour laquelle il m'a protégée tout ce temps, je suis sûre. En fait, il doit même me maudire à chaque fois qu'il me voit. J'y peux rien, moi, si je suis pas la vraie Minfilia. Il devait l'aimer comme sa propre famille, mais elle et moi, on n'est pas la même personne. Une fois, on est allés ensemble aux ruines de Naba à Saren, là où la prêtresse de la lumière a stoppé le déluge. Plus on s'approchait de l'endroit, plus j'avais l'impression que ma conscience s'effaçait. Je crois même avoir perdu connaissance un moment, tellement j'étais terrifiée. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé après ça. Je crois que la vraie Minfilia et Sancred ont eu une discussion. Mais c'est très flou dans ma mémoire, un peu comme les restes d'un rêve qu'on oublie au réveil. Il n'a rien voulu me dire, mais je sens bien qu'il s'inquiète depuis. En plus, dans ces moments, je ne peux rien faire pour le réconforter. Je n'apporte jamais que la misère aux gens que j'essaie d'aider. Le mieux, ce serait que la vraie Minfilia prenne ma place. J'ai déjà laissé sa voix me guider. Et c'est grâce à elle si j'ai su comment vous trouver. En revanche, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle tenait tant à m'aiguiller vers vous. Peut-être qu'elle voulait vous transmettre un message ? Non, c'est pas ça. C'était plutôt comme si elle voulait vous faire rencontrer quelqu'un de spécial.
Vous m'avez enfermée. Je m'ennuie. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Venez. Venez jouer avec moi. Qu'est-ce que c'était? Une illusion? On dirait que ça venait du château. Tenez, voilà ce que j'ai réussi à récupérer. Vous devriez les apporter au Numo. Moi, je vais prévenir Sancred et les autres. C'est bien elle. Je la reconnaîtrai entre mille. Merci beaucoup. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est un cadeau d'un ami très cher. C'était un grand voyageur. Nous avons survolé le monde entier ensemble. J'étais si jeune que je ne pouvais même pas encore parler. Mais cela ne nous a pas empêchés de vivre des aventures extraordinaires, les plus belles de toute ma vie. Un jour, il m'a dit que l'on ne pouvait pas rêver meilleur partenaire que moi, et il m'a offert cette médaille sur un collier. Je n'ai pas osé lui avouer à quel point son cadeau me rendait heureux, mais je débordais de fierté. Il s'appelait Harbert. Il nous a quittés depuis. Mais il restera le meilleur ami que j'ai jamais eu. Cet Harbert, c'est celui auquel je pense? Oui. L'humain que presque tous ont considéré responsable du déluge de lumière. Mais lui et ses compagnons ont sauvé de nombreuses vies et beaucoup les ont soutenus à l'époque. Malheureusement, ces voix partisanes se sont éteintes une à une avec le temps. On ne compte plus que l'histoire des grands pêcheurs désormais. Je ne supportais pas qu'on souille ainsi sa mémoire. Alors je me suis réfugié à l'écart des humains, chez le peuple féerique. Les âmes charitables comme lui ont un don pour s'attirer les ennuis. Ça ne l'a toutefois jamais empêché de toujours porter secours aux victimes de l'infortune. Pourquoi le destin ne s'est-il pas montré plus clément envers lui? J'aurais tant aimé qu'il coule des jours heureux. Il était dévoué au salut de son monde et ne méritait rien d'autre. Merci. Vous êtes aussi attentionné qu'il l'était. Les mages des temps anciens voulaient que nous soyons capables d'identifier facilement notre maître. Ils ont donc prodigué aux Amaraux l'aptitude de reconnaître une personne par son âme. Le pouvoir de mes ancêtres s'est étiolé avec le temps. Mais une petite partie de lui a ressurgi en moi. Et quand je vous regarde, je crois distinguer une couleur familière. On dirait celle d'Harbert. À vrai dire, je ne saurais les différencier. Je sais bien que vous n'êtes pas la même personne. Quelle que soit la couleur de votre âme, ce sont les chemins que vous avez arpentés qui définissent votre identité.
Je le sais bien. Et pourtant, je ne peux m'empêcher d'y voir le destin à l'œuvre. Voilà pourquoi je crois en votre victoire. Je vais vous confier les souliers de cristal. Il faut nous aider. On a un gros problème. Qu'est-ce qui t'arrive? Il s'est passé quelque chose à Lidalran? On était avec les jumeaux en train de faire peur aux méchants pour pas qu'ils entrent dans Ilmeg. On s'amusait bien au départ. Ils prenaient tous leurs jambes à leur cou en criant « Ah, sauvez-moi !» Mais ça a pas duré. Il y a un vieux grincheux horrible qui est arrivé. Lui, il avait pas les chocottes. À cause de ça, les méchants sont presque arrivés chez nous maintenant. Ranjit. Voilà que ça se complique. Si on le laisse faire, il n'aura aucun mal à deviner ce qu'on est venu faire ici. En effet, s'il apprend que nous sommes ici pour abattre le grand purgateur, la tâche n'en sera que plus ardue. Séparons-nous. La bénédiction de la lumière vous aidera à terrasser notre cible. Pendant ce temps, nous rejoindrons Alfino pour tenter de repousser l'armée Olmorienne. Même si nous échouons, l'île Meg sera sauvée si vous triomphez. La victoire dans la fuite. Je n'aime pas jouer le rôle de la souris, mais on n'a pas vraiment le choix. La bénédiction de la lumière devrait me protéger aussi. Laissez-moi venir avec vous. Tu le gênerais plus qu'autre chose. Viens, on y va. Je suis désolée. Prenez garde à vous. Plus danser. Bravo, mon Souneyak.
Tu as mis fin au triste sort de notre monarque déchu. Ah, les quatre trésors féeriques. Ils vont enfin pouvoir accomplir leur but premier. Ce sont à la fois les clés qui déverrouillent l'entrée de cet endroit, mais aussi les insignes de notre royauté. Le château ne s'ouvre que lorsque le souverain est voué à disparaître. La brave personne qui a mis fin à son règne est alors intronisée. Telle est la magie rituelle qui gouverne ce lieu. Mais si tu choisis de prendre sa place, tu deviendras comme nous, et tu perdras ton humanité pour toujours. Mon arbrisseau. Mon cher petit humain. Nous autres du peuple féerique vivons éternellement. Mais la beauté des tiens réside dans une existence éphémère. Vous courez après vos rêves même s'ils sont hors de votre portée. Votre inébranlable volonté vous pousse à marquer le monde de votre empreinte. C'est à la fois votre plus gros défaut et votre privilège le plus précieux. Je ne veux pas que mon arbrisseau perde l'étincelle qui l'anime. Alors ta jolie branchette va accepter le régalia à ta place. Viens, commençons par chasser de chez moi ces méchants humains qui te veulent du mal. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient jusqu'ici. Heureusement, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Maudite créature! Arrêtez de nous jouer des sales tours! Non! Écoutez-moi bien, Pixie diabolique. Nous cherchons des gens qui se sont réfugiés sur vos terres. Vous ne pouvez pas ignorer où ils se trouvent. Alors montrez-vous et coopérez. Sinon... Non, stop! J'ai mal! Il nous a damé le pion. Défais ton charme. Vilaine fille, combien de fois comptes-tu te laisser ravir par ces sales rats? Je ne retournerai pas à Elmore. Et je ne vous laisserai pas vous mettre en travers de notre route non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui t'a enseigné cette posture ridicule? Aucune des prêtresses qui étaient autrefois sous mon aile n'aurait osé afficher autant de disgrâce. Tu devrais avoir honte et réaliser ton impuissance. Ta place est aux côtés de notre maître. D'abruti. Elle ne comprenait même pas le sens profond de son nom quand vous l'avez enfermée. C'est vous qui l'avez rendue impuissante.
Mais aujourd'hui, elle s'insurge et prend les armes. Alors tes discours sur la honte et la disgrâce, tu peux te les garder, vieux débris. Des rats qui passent leur temps à fuir ne peuvent pas comprendre l'enfer de la guerre, la stérilité du conflit. Seule une société stable et en paix peut nous apporter le bonheur. Regardez, le ciel! Il a réussi. Le guerrier des ténèbres a vaincu. Mais c'est... Que fait-on, général? C'est pourtant évident. Nous passons sur le corps de ces imbéciles s'il le faut. Mais nous poursuivons le guerrier des ténèbres. En avant toutes! Capturez tous les rebelles! Vous ne m'avez pas entendu? À l'attaque! Mais pas tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Reprenez-vous, bon sang! Mon général, d'autres arrivent sur nous. Nous devons battre en retraite. Donnez l'ordre, s'il vous plaît. Vous êtes tous les complices du guerrier des ténèbres, c'est évident. Soyez certains que mon maître rétablira l'ordre et que vous paierez pour vos crimes. Et voilà comment les Pixies se retrouvent avec un nouveau monarque. Merci de nous avoir apporté la protection du peuple féerique, Féohul. Enfin, je devrais peut-être dire Titania, maintenant. Tout le monde a voulu s'inviter à la fête. Ça faisait si longtemps que nous n'avions pas profité d'une belle nuit enténébrée. Mais vous devez comprendre une chose. Nous sommes comme l'écume qui jaillit où la mer rencontre la terre. Nous sommes le bouillonnement éternel entre la vie et la mort. Nous ne vivons que pour nous amuser, sans nous soucier du lendemain ou de quand tout cela prendra fin. C'est pourquoi nous ne pourrons jamais partager cette volonté très humaine de se battre pour bâtir l'avenir.
Vous voulez dire que vous ne nous aiderez pas contre les purgateurs? Eh bien, disons qu'il nous faudrait une bonne raison. Comme une dette à honorer, par exemple. À tout vol, un don. Et à toute perte, un gain. Nous offrons autant que nous recevons. Telle est la règle de l'immuable royaume arc-en-ciel. Ce ciel est un magnifique cadeau. Et nous vous revaudrons l'appareil. Alors pensez à nous quand vous vous sentirez au pied du mur. Oh, mais je ne t'abandonne pas, mon petit arbrisseau. Même en restant dans ce château, je pourrais envoyer une petite copie de moi pour voler à ton secours en cas de besoin. Féohul restera ta Isnefish. Alors sois au petit soin avec elle, d'accord? Voilà qui me rassure. Crystarium ne semble pas avoir subi de dégâts en notre absence. L'armée Ulmorienne devait être trop occupée à nous traquer. On va pouvoir souffler un moment. Même s'il faudra rester sur nos gardes. Enfin rentré, et moi qui croyais que les héros ne lambinaient pas. Et on peut savoir qui parle ? Ce visage me rappelle quelqu'un. On peut trouver le portrait de cet homme dans les livres d'histoire de Carlemald. En revanche, je suis surpris qu'il ait encore l'air si jeune après toutes ces années. Ah, quelqu'un d'instruit. Permets-moi de t'éviter de fastidieuses introductions. Mon nom est Solus, empereur fondateur de Carlemald et instigateur de conflits à mes heures perdues. Toutefois, vous me connaissez aussi sous un autre nom. Emmet Selk, ravi de faire votre connaissance. Emmet Selk, Caius nous en avait parlé. C'est un ancien originel. Un des acolytes de la Abrea, hein? Si c'est le cas, il n'est pas venu là pour discuter. Ah! Regardez-moi ce ciel. Magnifique. On ne pourrait pas rêver mieux. Quand je vois ça, je me sens... Comment dire? Je me sens... terriblement désappointé. C'est ça, oui. Savez-vous depuis combien de temps je m'échine à fusionner ce monde avec le vôtre? Au départ, je me disais que le déluge de lumière avait fait son œuvre, que le monde s'enfoncerait peu à peu dans la stagnation, que j'avais réussi. Mais non, il a fallu qu'une poignée de ces piteux humains essaie de se relever après le désastre.
Leur refus d'accepter leur sort a pesé du côté du changement et empêché la balance de basculer complètement. C'est là que Vosri devait se montrer utile. Il devait rassembler ces derniers entêtés sous sa coupe et les rendre indolents. J'étais certain que le temps aidant, les conditions d'une réunification seraient rassemblées. Puis tu es venu mettre ton grain de sel. Tu t'es mis à abattre les grands purgateurs et la concentration de lumière n'a fait que baisser depuis. À cause de toi, mes projets ont volé en éclats. Alors Uriangée avait vu juste au sujet du fonctionnement des fléaux. Merci pour l'info. Par contre, maintenant qu'on a mis à mal ton plan si bien huilé, ça nous arrangerait si tu pouvais lâcher l'affaire. Et pourtant, tout chez toi indique que tu as l'air prêt à en découdre. Voilà pourquoi j'évite de traiter avec vous autres en général. J'ai bien réfléchi à faire de Vosri un allié et à me servir de lui pour vous éliminer. Mais ça, c'est la méthode la Abrea, si je puis dire. Vous comme moi savons qu'elle n'est pas très efficace. J'ai eu beaucoup de mal à me faire à l'idée, mais j'ai imaginé une meilleure solution. Collaborons pour changer. Vous pouvez abattre les grands purgateurs. Je ne vous retiendrai pas. Mieux, je vous offrirai mon aide si nécessaire. Vous voulez rire ? Vous avez déjà provoqué plusieurs fléaux pour assouvir vos desseins de réunification. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes ici. Notre objectif reste inchangé, évidemment. Mais pouvez-vous prétendre connaître nos motivations ? Au lieu de nous battre sans rien savoir les uns des autres, nous pourrions commencer par discuter calmement, qu'en dites-vous ? Après tout, nous ne sommes pas des barbares. Ne vous en déplaise, je suis immortel. Peu importe si j'échoue 10 fois, 100 fois, rien ne m'empêchera d'ébaucher de nouveaux projets. Mais pour une fois, j'ai pensé qu'il serait bon de comprendre ce qui anime les défenseurs de ce monde, ce qu'ils cherchent à accomplir. Nos points de vue sont-ils si incompatibles? J'espère que vous pourrez en faire de même et porter un regard nouveau sur nous. Après tout, vous nous vouez une haine farouche, mais sans vraiment savoir pourquoi, si je ne m'abuse. Qui sait ? Peut-être y a-t-il un futur dans lequel nous coexistons. Vos arguments sont plutôt convaincants. Mais comment vous faire confiance alors que vous usez de subterfuges pour proposer une entente ? Pardonnez-moi ce faux pas, j'ai préféré prendre mes précautions face à ceux qui ont déjà éliminé l'un des nôtres. J'essaierai de faire plus attention à mes manières la prochaine fois. Sur ce, chers amis, je vous dis à très bientôt. Ça vient de l'Exarque. Il doit observer tous tes faits et gestes grâce à son espèce de miroir magique. Il sait aussi se montrer chaleureux.
Ce doit être un type bien vu la confiance que lui accordent les gens d'ici. Par contre, il est trop mystérieux à mon goût. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme lui de mon vivant. J'ai erré trop longtemps après le déluge de lumière pour me rappeler quoi que ce soit de la suite. Au final, je n'en sais pas plus que toi sur cette cité ou sur l'Exarque. Cela dit, celui dont on doit vraiment se méfier, c'est Emmett Selk. Il me rappelle cet ancien en robe blanche qui était venu nous trouver alors que nous étions au bord de l'annihilation. C'est lui qui nous avait persuadé que réunifier nos deux mondes nous permettrait de ne pas tomber entièrement dans l'oubli. Nous avons saisi cette main tendue en désespoir de cause, et sans même réaliser que déclencher un déluge de lumière faisait partie de son plan depuis le début. Nous aurions dû nous en rendre compte plus tôt, évidemment, mais nous étions trop naïfs. La morale de cette histoire, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à un Ancien. Et pourtant, je pense quand même qu'Emmett Selk a raison. Personne ne devrait se battre sans connaître la situation et les motivations de son adversaire. Je sais de quoi je parle. C'est parce que j'ai foncé tête baissée que j'en suis là, et qu'il ne me reste plus rien. C'est tôt ? Pourquoi tu veux que je te parle de lui ? Enfin, c'est pas comme si ça me dérangeait, mais bon... J'ai été surpris en le voyant. Il a pas mal grandi depuis l'époque où nous voyagions ensemble. J'arrive pas à croire qu'il tienne encore autant à cette médaille. Et il a hérité du pouvoir de ses ancêtres ? Ça alors ? Bah quoi ? T'as bien un chocobo, toi ? Tu lui as donné un nom, je parie. Comment il s'appelle ? Tu ne pouvais pas mieux tomber. Nous étions justement en train d'accueillir un invité. Toi aussi, tu tires cette tête ? Je vous avais pourtant bien dit que nous nous reverrions bientôt. Détendez-vous. Je ne suis pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Je vous l'ai promis. Ce n'est qu'une petite visite de courtoisie. Je ne peux nier la curiosité que m'inspire ce très cher Exarque, lui qui a fait venir en ce monde les héros d'un autre. Tu évoquais la possibilité d'une entente, de porter un regard nouveau les uns sur les autres. Mais compte tenu de l'attitude des Anciens jusqu'à maintenant, je nous vois mal nous associer à l'un de vous. Du calme.
Pas besoin de prendre ce ton. Pourquoi ne pas tenter l'expérience avant de juger du résultat? Pendant ce temps, vous n'avez qu'à continuer la chasse au grand purgateur. Quand vous en aurez fini, on verra si je vous trouve un quelconque intérêt. Alors seulement, je viendrai vous tendre une main secourable. Je ne le ferai que si je discerne en vous des partenaires avec qui vivre et porter le fardeau de la vérité. Si cela vous déplaît, rien ne vous oblige à accepter mon offre. Nous reprendrons alors notre combat à mort. C'est simple comme bonjour, non ? Oh, j'ai l'impression que vous ne me faites pas du tout confiance. Mes actes d'hier troublent votre jugement aujourd'hui. Bref, inutile de perdre plus de temps en palabres. Retenez juste une chose. Si vous êtes enclin à me prêter une oreille attentive, je vous dirai toute la vérité. Je vous dévoilerai le savoir que seuls des êtres comme nous, ancestraux et immortels, ont pu acquérir. Et vous devrez ensuite faire un choix. Allez, bon courage. Et par pitié, ne me faites pas mourir d'ennui. N'oubliez pas que je vous observe. Mais il se prend pour qui, lui ? Sa rhétorique est digne de son rôle d'empereur fondateur de Garlemald. Toutefois, ce n'est pas une raison pour croire un traître mot de son discours. Et vous, qu'en pensez-vous ? Tout à fait. Si son but était de nous duper, il ne se serait pas donné la peine de venir nous voir. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on devrait lui faire confiance. Mais la vérité, c'est qu'on ne contrôlera jamais les Asiens. Alors autant nous concentrer sur notre but, tout en restant vigilants. Reprenons alors. Laissez-moi vous parler de notre prochain objectif. Votre intervention a permis de venir à bout du grand purgateur d'Ilmeg. Ça fait deux avec celui de Grand Lac. Et c'est notre plus belle avancée depuis le déluge de lumière. Je ne vous remercierai jamais assez. Si j'ai tout compris, les alentours de Colucia, Amaren et Raktika sont les dernières régions qui baignent encore dans la lumière. Exactement. Et aucun grand purgateur n'y a encore été localisé. Voilà pourquoi j'aimerais que nous nous répartissions le travail cette fois-ci. Qu'en dites-vous ? Si personne n'a d'objection, je m'occupe de la marraine. J'ai eu l'occasion de me familiariser un peu avec les lieux. Je prends Colucia dans ce cas. Je ne pourrai pas entrer dans Ulmore, mais quelques connaissances devraient pouvoir m'aider à l'extérieur de la cité. Vous autres, vous n'aurez qu'à aller à Raktika. Yashtola s'y trouve déjà. Un petit coup de main ne sera sans doute pas de refus pour repérer le grand purgateur et lui régler son compte. Yashtola, c'est ce mage dont tu parlais avec Urianger. Oui, mais comme les autres, je n'ai plus tellement de nouvelles depuis qu'elle s'est installée là-bas. Elle ne me fait pas vraiment confiance. Je n'ai même pas pu la contacter pour la prévenir de notre rassemblement. Urianger, tu lui as plusieurs fois rendu visite, non ? Puis-je te demander de les escorter ? Entendu. Ils auraient bien du mal à entrer dans cette forêt sans mon aide de toute façon. Elle est aussi sombre qu'impénétrable. Merci. Je profiterai de votre absence pour accomplir une tâche en particulier.
Qu'est-ce que c'est? Un pli de Vosri. Il requiert ma présence à Ulmor pour discuter de notre conflit, me dit-il. Vous avez perdu la raison. C'est beaucoup trop risqué. Nous lui avons tenu tête sans fléchir. S'il veut négocier, nous sommes en position de force. Malheureusement, je ne peux pas m'éloigner de la tour sans que ma santé en souffre. Alfino, pourrais-je te demander de m'aider, étant donné que tu vas justement en Colussia? Comptez sur moi. Parfait. Préparons-nous pour le départ dans ce cas. Soyez prudents surtout. Le passé lointain a toujours fasciné les contemporains. Car le chemin emprunté par les hommes pour atteindre l'instant présent est parfois plus mystérieux que l'avenir lui-même. Les vestiges de l'ancienne civilisation de Ronka dormaient toujours dans cette luxuriante forêt. Un lieu où s'enfoncent les personnes en quête de réponses. Nous y sommes. Practica est vaste, mais de nombreuses parties de la forêt sont impraticables et inhospitalières. Les marécages de Sitia sont parmi les endroits les moins hostiles. Voilà pourquoi le peuple de la nuit s'y est installé. Si une terre s'étend sous vos yeux à l'horizon, alors dévastez-la pour la subjuguer. Cette devise m'a permis de faire quelques voyages quand je jouais le rôle de Solus. Invasion et conquête se succédaient, nation après nation. Oh, comme il grandissait, mon bel empire. Il y en a pour qui ça a du mal à rentrer. Parle pour toi, imbécile. J'ai déjà expliqué gentiment que je n'étais là qu'en qualité d'observateur. Arrête d'aboyer à la première occasion. Tu préfères sentir mon regard posé sur toi dans l'ombre? Aurais-tu du mal à comprendre que me manifester devant vous est une preuve de bonne volonté de ma part? Ça veut dire que vous allez nous accompagner et vous battre à nos côtés? Disons que je vous suivrai aussi loin que bon me semble. Par contre, n'espérez pas me voir combattre. Des ombres douces se projettent dans la forêt, mais ne vous méprenez pas. Elles baignent dans la lumière comme les autres régions de ce monde. Pour un Ascien comme moi, apôtre des ténèbres, le simple fait de me trouver ici est déplaisant. Alors m'y battre, pas question. Suis-nous si ça te chante, mais gare à toi si tu cherches à nous jouer des tours. Voici la forteresse de Gaune. Les réparations n'ont pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. J'imagine que Yashtola et les autres se sont installés ailleurs. Essayons de trouver où. Encerclez-les! Thank you.
Ce sont eux, les nouveaux purgateurs. Mais on dirait des humains. On dirait. On est des humains comme vous. Alors si vous voulez bien baisser vos armes... Les purgateurs parlent maintenant. Vous laissez pas avoir. Ils imitent peut-être seulement nos voix. C'est assez compliqué comme ça. Mais j'y pense. Je me montre à vous par courtoisie et j'ai déjà dit que je ne me battrai pas pour vous. Autrement dit, cette randonnée bucolique ne m'apporte rien. Et pour être tout à fait honnête, je commence sérieusement à m'ennuyer. Je ferais bien une petite sieste au pied d'un arbre. Oui, je crois que je vais faire ça. À plus tard. Y en a un qui a disparu. Je savais qu'ils étaient louches. Pour un type qui s'ennuie, il nous en attire des ennuis. Quel vacarme ? Alors, ces purgateurs ? Matoya ! Ils ressemblent à s'y méprendre à des humains. Vous êtes sûr que ce sont des purgateurs ? Quoi d'autre ? Je ne les ai pas vus de près, mais une forte lumière émane d'eux. Je ne vous apprends rien, mais Yashtola a perdu la vue dans un accident il y a quelque temps. Elle ressent maintenant l'éther qui émane de chaque chose, mais sa perception est restée aussi fine qu'avant. Enfin, en théorie. Maître Matoya, vous m'avez forcément reconnu. C'est moi, Uriangée. Effectivement, c'est bien toi. Je reconnais également Sancred. Et j'imagine que cette personne à tes côtés est la Minfilia de ce monde dont j'ai déjà entendu parler. Vous avez vu juste. Pourriez-vous baisser vos armes maintenant ? Juste une chose. Je veux bien admettre que tu sois le véritable Uriangée. Mais quelle est cette créature ? Elle déborde de lumière, tel un purgateur. Ne me dites pas que vous avez déjà oublié le héros des héritiers de la septième aube. Notre ami a déjà terrassé deux grands purgateurs depuis son arrivée. C'est vraiment toi ? Matoya, qu'est-ce qu'on fait alors ? Désolé, j'ai fait erreur. Baissez vos armes. Je m'excuse pour cet accueil un peu brutal. Bienvenue à Raktika. Le peuple de la nuit est heureux de vous y recevoir.
Voici Serpentige, notre plus grand hameau. Les membres de cette communauté vouent un culte aux ténèbres, mais ils n'ont pas spécialement de dieu. Ils suivent leurs propres dogmes et passent leur journée dans le calme de la prière. Grâce à ce quotidien, ils ont acquis les connaissances nécessaires pour survivre dans ce monde après le déluge de lumière. Ces gens font vœu de pauvreté. Ne t'attends pas à un accueil luxueux. Bien. Vous allez pouvoir me raconter un peu ce qu'il s'est passé de votre côté. Mais mieux vaut éviter d'en parler ici. Allons dans la salle au fond. Je vois. Et vous êtes donc ici pour chasser le grand purgateur de Raktika. Moi, j'ai passé le plus clair de mon temps à me renseigner sur l'histoire du premier reflet. Je n'irai pas jusqu'à dire que je n'ai aucune confiance en l'exarque, mais il est dangereux de faire de lui notre seule source d'information. Voilà ce qui m'a mené dans ce hameau que je connais maintenant comme ma poche. Pour résumer, je n'ai toujours pas localisé le grand purgateur, mais j'en sais assez pour soupçonner certaines zones en particulier. C'est-à-dire ? Il y a plusieurs millénaires, Raktika était le cœur de l'Empire Ronka. Aujourd'hui encore, il n'est pas rare de tomber sur des vestiges de cette civilisation en se promenant à l'est, dans la forêt d'Ixmaya. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ils sont en assez bon état. C'est grâce aux gardiennes qui les protègent depuis toujours. Elles ne tolèrent la présence d'aucun intrus. Impossible de négocier, elles attaquent à vue. J'ai évidemment tenté de m'infiltrer dans leur forêt à plusieurs reprises, mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est assailli de toutes parts. Ce qui signifie qu'un grand purgateur pourrait facilement se terrer dans la forêt d'Ixmaya, sur les territoires protégés par les vices. Un cadeau de la part de l'exarque. Il pensait sûrement que cette tablette Ronka allait me convaincre de vous aider à réaliser son plan. Quoi qu'il en soit, ça vaut la peine d'essayer de la déchiffrer. Il va falloir trouver un moyen de pénétrer dans la forêt. Je ne vous serai sans doute pas d'une grande aide, mais je me tiens à votre disposition. Ma foi en tes capacités est inébranlable. Que dirais-tu de visiter Serpentige pendant ce temps ? Un événement lourd de sens pour le guerrier des ténèbres va bientôt avoir lieu. Comme c'est étrange. Tu as presque l'air plus vivante ici que chez nous. C'est normal. Mon maître et moi, nous avons toujours voulu élucider le mystère autour de l'origine de notre monde. Ce voyage vers un reflet, c'est une chance inespérée d'en savoir plus. Ce que je découvre chaque jour me fascine et me stimule. Pas toi, Sancred ? Tu n'es pas heureux d'avoir retrouvé ta petite princesse ? Les persiflages ne te sied guère, Yajtola. Nous ne sommes plus des enfants. Sur ce, j'ai une enquête à mener.
Vous vous trompez, vous savez. Je ne suis pas la vraie Minfilia aux yeux de Sancred. C'est facile de se trouver des excuses lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. L'important, c'est de savoir réagir quand ça arrive. Surtout quand on sait que les conséquences peuvent être gravissimes. Repoussez l'échéance tant que vous voudrez, personne ne viendra faire le travail à votre place. Va faire un tour, toi aussi. Découvrir de nouvelles choses t'aidera peut-être à réfléchir.